Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur annonça son message à Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Que votre grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, vous nous avez fait connaître l'incarnation de votre Fils bien-aimé. Conduisez-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Grand-mère, bannou l'esprit ou là, l'esprit pour comprendre tes bails à potio, jour la bonne côte là, pour nous faire parole la mâche et puis devant besoin comprendre parole là, besoin pour nous vivre parole là, pour nous faire travail comme être la vie. Grand-mère, nous dit n'avons, mais nous, un capteur de vérité, ou là, pour nous, esprit sage et sous, pour nous marcher d'après commandement, où il y a besoin pour une parole là, besoin pour une vie de parole là, pour nous faire travailler comme être la bien. Thank you.
de paroloua. Mais l'esprit nous trop fait pour bien comprendre les panneaux. L'esprit ligne ou là. Pour comprendre parole la vie bien chaque jour. Besoin comprendre parole la. Besoin pour vivre parole la. Frère Maxime, bonjour et bonsoir à nous toutes et à nous chaque, n'importe côté que nous écoutons, nous avons dit nous une autre fois. Bienvenue sur Radio Transfiguration. Bienvenue à vous-même qui déjà habitué à écouter nous. Et bienvenue à vous qui à peine commencé à écouter nous. Nous disons bienvenue. Aujourd'hui, c'est mercredi 3 mai 2023. L'église l'a fêté Saint-Philippe avec Saint-Jacques, apôtre. Première lecture nous gagnons pour journée jeudi, mercredi, sorti dans le livre, dans la lettre de Saint-Paul, apôtre aux Corinthiens. Première lecture dans sortie dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Somme dans ces somme 18 entre parenthèses 19. L'évangile là c'est toujours Saint Jean. Première lecture dans sortie dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens chapitre 15 pour un verset 1, arrivé dans verset 8. Première lecture dans sortie dans lettre Saint Paul apôtre écrit mon Corinthien chapitre 15 les 8 premiers versets. La bonne côte là on fait parole la marche puis devant besoin comprendre parole là besoin pour vivre parole là pour faire travail comme la grand-mère nous dit pour le marcher d'après le commandement où il y a besoin qu'on prenne parole là, besoin pour me vivre parole là, pour me faire travail comme être la bien. Mais l'esprit nous trop fait pour bien comprendre les panneaux. L'esprit ligne là. Pour le temps, prendre parole là, puis bien chaque jour. Besoin comprendre parole là. Besoin pour nous vivre parole là. Pour nous faire travail comme être la bien. Grand-mère, on nous remet où? Pour nous, si mes paroles vont comprendre où? Dans la vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés
conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Comme réponse, psaume 18, entre parenthèses, 19. Comme réponse, psaume 18, entre parenthèses, 19. Attendons des vérités, oula, pour nous, esprit sage et sourd, pour nous marcher d'après le commandement, où il y a besoin pour une parole là, besoin pour une vie parole là, pour nous faire travail, pour nous mettre la vie. Mais l'esprit nous trop fait pour bien comprendre les panneaux. L'esprit lumière là, pour comprendre parole là, puis bien chaque jour. Besoin comprendre parole là, besoin pour vivre parole là, pour faire travail, pour mettre la bien. Grand-mère, on nous remet où? Pour nous, si mes paroles m'ont compris, nous, non, la vie t'a prouvé, l'établi dans mes temps, nous. Besoin pour une parole là, besoin pour une vie de parole là, pour faire travail, pour mettre la bien. Besoin pour une parole là, besoin pour une vie de parole là, pour nous faire travail, pour mettre la bière. Comme réponse, par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu.
Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole pour ce récit, pas de voix qui s'entende, mais sur toute la terre apparaît le message. Et la nouvelle au milieu, aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Évangile nous gagnons pour jeudi mercredi 3 mai 2023. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Évangile nous gagnons pour journée jeudi. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 14, prenant verset 6, revenant verset 14. Jean, chapitre 14. Versets 6 à 14.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.